Nous approchons devant Kounyala. Côté par autorité, nous bloquer les quatre coins. Une fois de plus. Les quatre coins, côté démon qui a sorti dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons nous ça pour traverser les ondes. Pour bloquer tout système démoniaque. Pour bloquer au nom de Jésus-Christ. L'église réclamée, l'église prend autorité par ma voix pour bloquer tout système démoniaque. Toute puissance démoniaque qui doit fonctionner dans la zone. Au nom de Jésus, nous lions toute puissance à eux. De près ou de loin, dans de l'eau ou dans le pied-bois, dans le carrefour ou en nakaï, nous bloquons puissance à eux. Et nous déclarons activité inactive à présent même. Et qu'on y a, Seigneur, les démons qui ont agi dans les cœurs, les démons qui ont agi dans les pensées, les démons qui possédaient des personnes qui attendaient nous là. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons, nous prenons autorité sur les démons. Vieux Zili, vieux diable dans le chemin, vieux diable dans le cafou, vieux diable dans le pied-bois, Zili dans le temps, Zili Freda, tout vieux diable sale qui est dans toute l'eau, vieux diable qui est dans le bois, vieux diable qui est dans tout roche, vieux diable qui a fait mon tourner chien. Tous les bœufs, tous les cabris, tous les cochons. Vieux diable qui a fait mon bois sans tout cri. Vieux diable qui a touillé mon bois sans mon. Vieux diable qui a fait mon voler le gaou. Vieux diable qui a fait mon sorti quand même. Pour aller dans Bizango, pour aller dans Champouel. Vieux diable qui a maltraité mon. Au nom de Jésus-Christ, nous lions toute puissance à eux. Et nous enchaînons eux. Avec le pouvoir de Jésus-Christ. Et nous avons donné pour aller dans l'abîme. Et pour les gens qui doivent délivrer, pour délivrer à soi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ appliqué dans son nom. Et nous déclarons que toute puissance, nous déclarons que toute puissance maléfique, diabolique, toute puissance qui part sortir comme bon Dieu, c'est pour anathème. C'est pour être inactif dans un nom au nom de Jésus. Amen. L'église a nous dit amen. Amen. L'église a nous dit amen. Amen. L'église a nous dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Assoyez. Nous prenons le palo de passage ça que nous lisons pour moi, qui sont passages qui sont très profonds et qui sont passages qui sont très riches en bénédiction spirituelle. Le passage pour continuer, c'est toute semaine pour nous faire, pour nous t'acheter sous verset ça. Pour nous parler de ça, grand verset ça, de la donne. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Mais selon Jean, l'Esprit de Dieu va coordonner nous. Nous va dire l'essentiel. Mais si nous apprenons pour ça qui est important, dans grand verset ça, je vais vous montrer. L'église a relé. Pratique. Il y a ça le péché. Il y a ça le diable. Il y a le fils de Dieu. Il y a détruit. Il y a apparu. Il y a détruit. Gagner les œuvres du diable.
ça me cite pour là, c'est son paquet mot-clé. Et si nous devons parler en long et large de passage là, nous disons que semaine dans tes droits, prends-nous, nous pas fini. Mais pendant ce temps, nous allons essayer bah, où, l'essentiel. Ça va, ça la dire, c'est clair. Jésus paraît, en peut dernier paragraphe là. Bible a dit là, Jésus paraît, il paraît l'autre but qui veut paraître. Pour qui ça le paraît? Pour le cas détruit le travail diable là. Est-ce que l'église est avec moi? Regardez, pour tout chrétien, on mettait sous ça. Tout chrétien, on mettait sous ça. Mais la chrétienne est en bas, non? Ça va, et passage à nous parler de l'IA, engagez-vous. Parce que bloc ça, quand on y a des chrétiens responsables. Et c'est tout chrétien dans la zone, ça attend. Comment on arrive? Boyotte. Et c'est tout chrétien dans la zone, ça attend. Quand on y a responsable. Ou responsable pour détruire le diable. Ou responsable pour chef quand on y a. Bible a dit noir sur blanc que Jésus paraît pour détruire les œuvres du diable. Un point et c'est tout. Puisque Jésus paraît pour détruire les œuvres du diable, nous-mêmes, nous c'est qui ça nous est. Nous dans un contexte, nous c'est épouse de Jésus que nous c'est. Bible a dit Jésus est bon Dieu fiancé nous à un bon Dieu fiancé nous à un bon époux. Nous c'est épouse de Jésus-Christ d'une manière spirituelle. Et encore dans un autre contexte, nous c'est disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a hein? Nous c'est disciples de Jésus-Christ. Dans notre contexte, nous c'est envoyés de Jésus-Christ. Nous d'accord avec moi? Dans notre contexte, nous c'est envoyés de Jésus-Christ. Envoyés de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire son messager de Jésus-Christ. Ça, un messager. Un messager, c'est un monde qui recevait un message de l'autre monde, de un supérieur pour l'albaï. Est-ce que nous l'avons avec moi? En d'autres termes, nous disons que c'est un messager. Un messager doit transmettre le message à Jean de Rennia. En d'autres termes, nous sommes petits bon Dieu. Nous sommes petits bon Dieu, pas moyen. Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, nous co-héritiers de Christ. Nous sommes même héritiers avec Christ dans Romains chapitre 1er. Et si nous avons même héritage avec Christ, la Bible a dit, nous avons même droit dans mon Dieu avec Jésus-Christ. Et bien si Jésus, si nous avons même droit avec Jésus-Christ, et bien nous avons même travail avec Jésus-Christ. Si Jésus te paraît pour détruire les œuvres du diable, et bien mission par nous, c'est détruire les œuvres du diable. Amen, amen, amen. L'Église est pour moi, amen. Amen. Mission par nous tous, c'est détruire les œuvres du diable. Au point que la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 2 le verset 5, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que sentiments qui étaient dans Jésus, nous-mêmes en tant que représentants de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, en tant que messagers de Jésus-Christ, en tant qu'apôtres qui signifie envoyé, qui vient du. Okay. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, qui s'est vu envoyer, donc nous c'est messages, nous là pour transmettre les mêmes messages de Jésus-Christ. Qui ça me dit là encore? En tant qu'ami de Jésus-Christ, nous avons la parole de Jésus-Christ. En tant que frère de Jésus-Christ, nous puisons même côté avec Jésus-Christ. Nous, égal là, qui ça me dit encore là? Regarde là, tout ça, nous y est pour Jésus-Christ. Nous avons droit.
Et ça fait Jésus-Christ, le camp au côté, lui camper avec puissance et avec autorité, lui imposer, mon Dieu, dans la zone. Eh bien, nous-mêmes, en tant que, en tant que frères, apôtres, messagers, prophètes, amis, Jésus-Christ, petit, mon Dieu, nous ne pouvons pas être au côté pour nous imposer l'évangile par le monde. Amen, amen, amen. Amen. Et là, Jésus te paraît sur la terre, puis Jésus-Christ paraît sur la terre, diable. T'es qu'on fait qu'on a fait sous la terre, pas une personne ni respecté, diable, ni regardé, pas une personne qui a campé devant pour défier le travail à faire dans l'humanité, parce que le passé le fait ravage. En première, en première période passée, il fait ravage. En deuxième période passée, elle a parlé de première période, n'a pas parlé, en première dispensation, ça ou les dispensations de l'innocence, il fait ravage. Dispensation de la conscience unie, il fait ravage. Dispensation et du gouvernement est venu, il fait ravage. Ça n'a pas de là, ou qu'à supporter lui-même. Je vais m'expliquer. Je vais supporter un peu. Dispensation de la promesse venue, lui fait ravage. Dispensation de la loi venue, lui fait ravage par les nègres qui ont campé devant. Et puis, dispensation la loi dit. Moïse dit, même nous campé devant la grande prophète qui a venu. Libre à le convaincre nous.